Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous ce soir, le 18 janvier, alors que le Rouge et Or accueille ici au PEPS de l'Université Laval les Stingers de Concordia. Kenan avec Alexandre avec vous pour toute la soirée pour ce beau doublé. Gros match. On a une équipe qui est 7 victoires, 0 défaites. C'est exceptionnel. Parle-nous un peu de l'équipe du Rouge et Or. Tu fais bien en parler, Alex. Une équipe qui est très, très dominante dans ce début de saison. 7 victoires, aucune défaite. On est les meilleurs en attaque, on est les meilleurs en défense, on est les meilleurs au rebond. L'équipe de Guillaume Giroux est la meilleure du RSEQ cette année et on veut que ça continue. Exact, mais il faut faire attention, on le voit à l'écran. Une victoire par 13 points la dernière fois. Et ici, ce soir, on accueille quand même un adversaire de taille. Beaucoup de menaces du côté de Concordia. Effectivement, les Stingers de Concordia, qui on a affronté déjà deux fois depuis le début de la saison. Et les deux fois, ce fut des matchs compliqués, des matchs où est-ce qu'on a dû se battre, on a dû batailler pour aller chercher cette victoire-là. Il faudrait particulièrement faire attention à Arige Bourguignon, elle qui est la leader, la master de cette équipe, elle qui s'occupe que tout se passe bien sur le terrain. Exact, élément clé de cette équipe. Et ce soir, on a beaucoup d'étudiants avec nous derrière qui sont là pour encourager le Rouge et Or de la maison. On souhaite vos encouragements aussi. On souhaite un bon match et une victoire. Go Rouge et Or, go! Go Rouge et Or, go! Une tomate biologique cultivée sans engrais chimiques ni pesticides, tout le monde connaît. Mais les cochons bio, c'est un peu différent. Ils sont évidemment nourris aux grains biologiques, sans OGM, antibiotiques ou hormones de croissance. Mais c'est aussi une question de bien-être animal. L'élevage de cochons bio exige de la paille pour fouiner et un espace sans cage deux fois plus grand pour jouer et socialiser. Ils ont accès à l'extérieur pour profiter du soleil, respirer l'air frais et exprimer leur comportement naturel. Une vraie vie de cochon sans stress. Dubreton est devenu le plus important producteur de porc biologique en Amérique du Nord en collaborant avec des centaines de fermes familiales. Nos éleveurs vivent fièrement d'élevage axé sur le bien-être des animaux en harmonie avec la nature. Pour une certification fiable, choisissez simplement le logo Biologique Canada. Dubreton, des produits à la hauteur de vos valeurs. Parfois, le pétillant peut être doux, tout comme la simplicité peut être sophistiquée. C'est notre genre d'équilibre. Montelier, une source d'ici, naturellement équilibrée. Alors, nous y sommes. C'est l'annonce des cinq partants, alors qu'on va commencer avec le cinq partants de Concordia. Et maintenant, le Rouge et Or qui annonce son 5 partant. La nouvelle venue. Sabrine Qualifié qui effectue son retour, Alex, elle qui a manqué le dernier match contre Bishop. Oui, Florence qui fait aussi son entrée sur le 5 partant. Là. Et on la voit alors qu'elle s'approche pour débuter ce match.
Oui, Florence qui a fait ses débuts avec l'équipe lors du dernier match. Donc, comme tu l'as dit, une nouvelle venue. Et puis, qui a commencé sa saison avec un tir de 3 points. Donc, ça promet pour ce soir. Exact. Et on voyait tout à l'heure là, Erika Nzodum qui boitait, semble blesser à la cheville. Donc, assurément qu'on va profiter de la taille là, de Florence à l'intérieur pour venir combler l'absence d'Erika. Oui, très certainement. On aurait peut-être à surveiller cette défensive intérieure puisque lorsque c'est Audrey Belland ou Erika qui sont là, c'est peut-être des filles qui sont un petit peu plus grandes, mais Florence, elle qui est utilisée comme joueuse d'espacement, là, si je peux dire, avec son 3 points. Exact. Et là, on le voit, on a attaqué déjà, on a essayé d'aller à l'intérieur contre Sabrine Khalifi. Assurément qu'on veut aller jouer avec notre taille du côté de Concordia. Et Sabrine Khalifi, la voilà, qui débute l'offensive du Rouge et Or. Menace tout de suite, directement. Belle passe. On ressort à l'extérieur, la voilà Florence. Avec le ballon, on renverse sur Léa Sophie. Et on menace sa vitesse, sa technique, on la connaît. Belle défensive. Mais ce sera deux lancers. Rowan Noblet. Léa Sophie Verret qui trône toujours au sommet pour les pointeuses cette saison du RSEQ avec 18,6 points par match. C'est vraiment non négligeable. Elle va fort probablement aller chercher ses premiers points dès maintenant. Elle vient de me faire mentir, comme habituellement, la fameuse... Exact. Chaque fois qu'on parle, le contraire se produit. Exactement. Et voilà, on reste silencieux, justement, pour entamer ce match. Premier point pour le Rouge et Or. Ici, tout de suite, la pression de Sabrine qui vole le ballon. Très bien joué de sa part. Et Léa Sophie à nouveau. Rebond pour Concordia. Dommage. Bon début de match, tout de même, pour les filles du Rouge et Or. Malgré qu'on a seulement marqué un point, là, on a forcé des fautes, puis on allait chercher des lancers francs et une interception là, qui, malheureusement, n'aura pas été payante. Exact, mais on donne le ton au match tout de même. Et là, Concordia qui réussit à répondre. Les deux gardes, Léa Sophie Sabrine, qui se connaissent super bien avec Frédéric Beaudriblet. Le trio qui débute presque tous les matchs cette saison-ci. Travaille excessivement bien ensemble. Ici, Florence est un petit peu en déséquilibre. Et ce sera violation des 5 secondes. Ballon pour Concordia. On semble se chercher un petit peu sur nos attaques. Un peu moins de mouvement. On en parlait, Alex, dans l'introduction de ce match-là. Concordia, c'est une équipe qui est vraiment dérangeante. À chaque fois qu'on a joué contre cette équipe-là cette année, là, pour la troupe de Guillaume Giroux, ça a été compliqué. Sans dire que ça a été des matchs qui se sont tout le temps finis à la dernière seconde. Là, mais pendant la rencontre, là, on a dû puiser là, pour aller chercher les victoires. Exact. Ici, ce sera une nouvelle attaque menée par Sabrine, très agressive encore une fois sur sa main gauche. Et je pense qu'on va la voir souvent, là, si elle a de la facilité dès ce début de match à pénétrer, à se rendre jusqu'à la clé. Malheureusement, ça ne conclut pas. C'est Rowena Blais qui amorcera l'offensive adverse jusqu'au panier, elle aussi. Ce sera un long rebond. Bien joué, belle intensité. Florence qui échappe malheureusement. Un peu décousu ici. Et ce sera ballon pour le Rouge et Or après cette séquence un petit peu laborieuse des deux côtés. Personne qui semble prendre le contrôle et se placer. Sabrine, de nouveau. Ridge qui est d'ailleurs absente du côté de Concordia sur le 5 partant. Plutôt inhabituel de l'avoir commencé sur le banc. Et Sabrine à nouveau. Stoppée à nouveau alors qu'elle réclamait une faute. Et c'est Robin Ablet qui amorcera. Portera le ballon là, pour débuter l'offensive des Stingers de Concordia. Ici, bel écran sur le ballon. On travaille bien là-dessus du côté de Concordia. On en parlait de cette possible faiblesse là, à l'intérieur avec Florence là, qui vient s'insérer dans l'alignement. Il faudra faire attention parce que clairement, c'est le plan de match du côté de Concordia. Oui, Alice Fleming qui a trouvé la brèche et puis trouvé sa coéquipière à l'intérieur, Serena Cheetah. Alors qu'on appelle marcher sur Florence Gould. Fortin, excusez-moi. Oui, un des débuts un petit peu plus hésitant qu'à l'habitude là, du côté du Rouge et Or. On semble se chercher. Quelques pertes de ballon inhabituelles, pertes de balles inhabituelles. Et ici, on connecte Mme Fleming à nouveau. Beau lancer de sa part et c'est 7-1 en avance Concordia. Alors que Tara Imbert a fait son entrée sur le terrain. Elle aussi qui est appelée pour un marché, là, si je ne me trompe pas. Exact. S'est précipité un petit peu dans son mouvement.
cette confusion, Alex, de début de match n'est pas nécessairement alarmante ou, disons, inhabituelle. On fait beaucoup de changements du côté de Guillaume Giroux. Insérer quelqu'un dans un 5 partant qui allait bien à cause de blessures, à cause d'ajouts tactiques, ça peut venir débalancer. Donc, on va laisser quelques temps pour que les filles se trouvent sur le terrain. Exact. On a 3 minutes de jouer. Inutile de paniquer. Bien fait ici. Au rebond, on est reparti. Léa Sophie avec de la vitesse. Arrêté par Alice Fleming. Et la voilà qui continue. Elle se fait bloquer. Trouve un mur devant elle. Tara Imbert, maintenant Léa Sophie Verret. Menace de nouveau. Un contre un. On la connaît avec ses aptitudes uniques. Ah, c'est dommage. Et ce sera ballon pour Concordia. Alors qu'on a battu, travaillé fort là. Audrey Bellin au rebond. Et on amène Brinley Holt à la place de Léa Sophie. Brinley Holt, on en a parlé amplement dans nos anciennes diffusions. Elle qui est le couteau suisse de l'équipe, j'ai envie de dire. Autant bonne en attaque qu'en défense. Voyons voir ce qu'elle donne ce soir à Guillaume Giroux. Oui, bien, on la voit qui amène la pression là ici. Joueuse de grande taille. Alors que Tara Imbert là, avec un beau bloc pour venir ralentir, en fait, arrêter plutôt cette transition offensive des Stingers. Oui, on voit Guillaume Giroux veut déranger un petit peu là, sur le grand terrain. Forcer les gardes et puis ici. Et voilà, ça fonctionne. Malheureusement, c'est repris. Brinley qui a perdu le contrôle. Là, qui a semblé en position pour intercepter. Et on regarde à l'intérieur. 3 secondes. Alors qu'on regardait pour Dallas Flurgin à l'intérieur. Faudra faire attention du côté des deux formations ce soir. Les arbitres qui n'en laisseront pas passer beaucoup, Alex. On le sait, là, les arbitres qui font toujours de leur mieux, mais certains sont plus permissifs, je dirais. Ben, ce soir, ça semble pas être le cas. Donc, qu'on s'attache bien du côté des deux formations. Exact. Il ne manque rien du tout. Ici, Frédéric Beaudriblet. On cherche. Brinley Holt menace avec sa vitesse. On est à l'extérieur. Tara Imbert qui attaque vers le centre. Prend le contact et ce sera 2 lancés sur le contact à l'intérieur. Le rougeur qui semble vouloir un petit peu contre-attaquer la tactique des Stingers d'attaquer à l'intérieur. Si on est capable de mettre en problème de faute là, rapidement les grandes joueuses des Stingers, ben, ça vient complètement débalancer en fait leurs intentions en début de match. Alors que Harridge fait son entrée sur le terrain, elle qui habituellement là, joue 30 minutes et plus sans problème pour les Stingers. Voilà, donc stratégie intéressante là, alors qu'on a l'avance et on amène Reach sur le terrain. Habituellement, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Une joueuse très rapide qui apporte beaucoup pour son équipe. Et on a vu Guillaume Giroux tout de suite envoyer Élodie Lajoie dans la mêlée. Certainement que c'est un changement tactique aussi en fonction de la défensive. On connaît Élodie avec ses qualités défensives. Donc probablement un duel à voir là, alors qu'on la voit à Reach avec le ballon. Attendu par Brinley Holt. Et voilà. Flurgin qui réussit à se rendre jusqu'au panier. Joueuse très athlétique pour sa taille. Difficile à arrêter. Surtout quand elle est rendue à l'intérieur. Bien fait Sabrina Elouane. Avec la faute. On la voit agressive depuis le début de match. Et là, va chercher le lancer. Avec le contact. Très bien fait de sa part. Joueuse très importante pour le haut genre, Sabrine, elle, qui est quatrième au chapitre des points dans tout le RSEQ avec 12,8 points par match. Donc, un gros morceau qui revient ce soir. Exact. Et le lancer réussi, c'était violation du côté de Concordia. Donc, on accepte le lancer. Oui, Sabrine, là, on le voit dans ce début de match qui est très, très agressive. Là, déjà, c'est rendu 3 fois. Essayer de finir au panier en 4 minutes. Et la pression qui cause beaucoup de troubles. Et c'est une paire de balles là-dessus. Guillaume Giroux qui sera très content de son équipe. On a été discipliné, on n'est pas allé chercher de faute. On n'a pas voulu trop en faire, juste assez pour créer une mauvaise passe. Et c'est ce qui est arrivé. Ouais, alors que la défensive est reine dans ce début de match. Oui. Sabrine à nouveau. Cherche à amener de la vitesse. Brinley Holt. Le lancer en fin de shot clock, en fin de 24 secondes, c'est réussi. Belle arrêt ici de Brinley Holt là, pour aller chercher le panier. Oui, le ballon qui rentre alors que la cloche de 24 secondes qui sonne et c'est maintenant 9-7 alors que Concordia est à l'avance 7-1 il y a de ça 90 secondes. Et c'est Concordia à nouveau à l'attaque. Beaucoup de contacts, Tara Imbert en défense sur Flurgin. Et ce sera ballon rouge et or, bien fait.
Belle défense ici de Tara Imbert qui est restée devant sa joueuse, qui a été solide. Et puis, ça paye ultimement. Effectivement, un match avec beaucoup de contacts jusqu'à maintenant. On a essayé d'y aller en vitesse, en force à l'intérieur. Même les gardes qui s'impliquent, qui veulent aller jusqu'au panier, travailler avec la planche. Sabrine, du 3 points. Prend son propre rebond. Travaille avec Elodie Lajoie ici. Sabrine contre Ridge, l'avantage de taille. Elle va vouloir en profiter, bien fait. Malheureusement, elle manque un petit peu d'auteur dans son lancer. Et ce sera la contre-attaque. Ridge avec sa vitesse. La tête haute cherche ses coéquipières. On regarde à l'intérieur. Et ce sera finalement à l'extérieur. Le 3 points ici, bien réussi. Les doubles menaces à l'intérieur, à l'extérieur de Greta Olivia Ineza. Il ne faudra absolument pas laisser Harry tout seul. Elle qui cumule plus de 5 passes par match. Là, voilà sa première. Donc, disons qu'elle est capable de trouver ses coéquipières lorsqu'elles sont seules. Exact. Et on parle beaucoup d'elle, pas nécessairement parce qu'elle fait de grandes performances au niveau des points, mais c'est l'influence qu'elle a sur ses coéquipières. Elle qui les fait briller, qui va chercher le meilleur de ce qu'elle a autour d'elle. Toujours la tête haute, comme on la voit, fait la bonne passe. Et c'est elle qui amorce toutes les attaques. Belle interception d'Elodie Lajoie en 2 contre 1 avec Sabrine. On travaille ensemble. Très bien joué du Rougeard. Elodie Lajoie qui finit. Une transition offensive très intelligente. On n'a pris aucun risque là, du côté de la troupe de Guillaume Giroux. On est allé avec la joueuse qui était ouverte au dernier moment. Exact. On veut le meilleur lancer. Pas d'individualisme. C'est ce qu'on aime voir de notre équipe. Ridge contre Elodie Lajoie. Tente d'aller sur sa main droite. Beau mouvement. Bien fait d'Elodie. Et ici, ce sera violation du 24 secondes. Bien fait du Rouge et Or. Et on a vu Elodie très patiente en défense sur Ridge. Elle sait qu'elle a l'avantage de taille, Elodie. Donc, peut attendre un petit peu, la laisser Ridge se compromettre. Aller vers la droite, vers la gauche. Et elle n'a eu qu'à lever le bras pour déranger son lancer et même y toucher. Un jeu d'expérience, j'ai envie de dire. Elle ne s'est pas laissée impressionner. Elle n'a pas voulu tenter de voler le ballon inutilement, prendre trop de risques. C'est vraiment une maîtrise défensive. Là. Très bien dit, Alex. C'est très belle analyse. Aussi, elle a dit qu'il sait aussi qu'Harrich n'est pas nécessairement la meilleure tireuse. Donc, elle veut ultimement attaquer le panier. Donc, la patience qui aurait résulté avec un premier bloc dans ce match pour Elodie Lajoie. Effectivement, c'est ce qui cause par la suite la violation du 24 secondes. Et donc, le ballon rouge et or. Alors que les arbitres se consultent. Les deux équipes auront aussi un moment pour se consulter. Et bien sûr, nous-mêmes ici à la diffusion. Pas beaucoup de 3 points, Alex, en ce début de match. C'est quelque chose qui n'a pas été, je dirais pas, une marque de commerce pour l'équipe de Guillaume Giroux, qui a toujours eu une attaque diversifiée depuis le début de la saison, mais qui, par moment, est venue peut-être je dirais pas nous sauver, mais qui nous a permis en fait de nous éloigner durant des matchs avec 2-3 points consécutifs. Et pour l'instant, ça joue à l'intérieur et ça joue très, très physique. Exact. Et on a vu dans les premières séquences le Concordia qui joue très, très fort, surtout sur les end-offs. Donc, difficile pour le Rougeur d'embarquer dans le rythme habituel de bouger le ballon droite-gauche, d'amener de la vitesse. Et ça a créé quelques pertes de ballon, des marches et des hésitations. On a senti qu'on a eu plus de difficultés à prendre notre rythme et on a causé de l'autre côté des pertes de balles qui nous ont amené des lancers faciles, des tirs plus faciles à réaliser pour revenir dans le match. Mais on sent qu'on n'a pas encore pris le rythme, effectivement, du côté du Rouge et Or. Là. Offensivement, les 3 points qui habituellement sont faciles, les lancers qui sont ouverts, Frédéric Beaudriblet, Léa Sophie, Elodie Lajoie qui peuvent tenter leur chance avec des lancers ouverts dont elles sont habituées. Ce soir, ça tarde un petit peu plus. C'est un jeu différent et c'est là qu'on va voir les grandes équipes. Est-ce qu'on est capable de s'ajuster à l'adversaire? Parce qu'il faut s'ajuster à la grandeur, au style de match, à notre soirée. Parfois, on est en réussite, parfois moins. Et le Rougeard nous montre cela là, alors qu'il est revenu. C'est maintenant 12 Concordia, 9 Rougeard et Brinley Holt qui débute cette attaque. Léa Sophie qui fait son retour contre Ridge. Deux joueuses très techniques, deux joueuses très rapides. Ça va être tout un duel. Bien fait de Tara Imbert. Va chercher le contact et même la faute ici. Tara Imbert qu'on a moins vu cette saison, dû à des blessures, là, si je ne me trompe pas. Elle qui fait un retour dans l'alignement, puis pour l'instant, là, qui paye clairement. Là, elle est cette joueuse de quand même de bonne taille, qui est polyvalente.
Donc, une autre pièce très, très importante là, pour l'équipe du Rouge-Or. Non, effectivement, l'an dernier, avec la blessure d'Audrey Belland, pendant plusieurs mois l'an dernier, Tara Imbert, qui avait beaucoup de temps de jeu, avait le rôle numéro un à l'intérieur là, pour protéger contre les grandes filles, pour attaquer comme centre. Cette année, le retour d'Audrey Belland en fin de saison dernière, ça a amené plus de compétition à ce poste. Et Erika Enzodoum qui amène aussi de la taille à Sandiara. Donc, on a une belle équipe, là, belle grandeur dans l'équipe du Rougeard. Léa Sophie, très bien fait contre Wenablet, laisse aucun espace. Et c'est encore une violation des 24 secondes. On voit les entraîneurs, Guillaume Giroux, qui est très fier de son équipe. Christian Tapin aussi, on est debout. Après des grosses performances défensives. Ça, c'est le genre d'action qui à l'écran, ne sont pas spectaculaires, mais qui font sauter de joie un entraîneur, parce que tout ça est basé sur un effort de vouloir d'être présent puis de déranger l'équipe adverse. Donc, belle action défensive ici du côté du Rouge et Or. Effectivement, on voyait à l'écran là, Rouen Ablet qui a fait un changement alors qu'elle a déjà deux fautes dans ce premier quart. Léa Sophie. Ah, c'est très serré. Il n'y a aucun espace pour elle pour manœuvrer. Beaucoup de contacts également. Florence à l'extérieur. Dommage. Un marché qui est appelé. On a voulu précipiter notre geste un petit peu. Et alors qu'il reste 1 minute 42 à faire, ce sera Concordia qui mène avec Brinley Holt qui est toujours à la tête ici de cette pression demi-terrain du Rouge et Or pour déranger l'adversaire. 3 points de l'extérieur. Et le rebond à Concordia. Et c'est bien fait. La part numéro 8, Serena Chida. Léa Sophie en vitesse avec moins d'une minute 30 à faire ici. Bien fait. C'est un beau changement de direction. On se rend jusqu'au bout. Et c'était. Elle a frappé un mur ici, le numéro 11, Fabiola Lemoore. Belle contre-attaque rapide de Concordia. On contrôle. À nouveau de l'extérieur. Et c'est réussi. L'anneau, la planche. On peut dire merci ici. La numéro 10, Greta Olivia Ineza, qui joue de chance un petit peu sur son lancer de l'extérieur. Ineza, là, qui est à son deuxième 3 points du match déjà. Et nouveau rebond offensif, malheureusement, on ne peut conclure. Et ce sera la contre-attaque. La voilà à nouveau. Et ce sera une faute qui est appelée sur Brinley Holt. Joueuse polyvalente, Ineza, jusqu'à maintenant, est allée jouer à l'intérieur sur des rebonds. On l'a vu deux fois aux trois points, tu viens de nous le dire. Et là, elle qui attaque et utilise son physique pour se rendre jusqu'à l'anneau. Brinley Holt qui tente de revenir devant elle, mais est en retard. Donc, ce sera deux lancers. Ouais, puis Guillaume Giroux qui a directement reconnu là, cette problématique de début de match, alors qu'Audrey Belland a fait son retour dans le match. Ou c'est plutôt Julia Denis, excusez-moi. Qui fait son entrée dans le match. Donc, une bonne présence intérieure pour venir contrer là, ces différentes attaques. On n'a pas mentionné encore, mais Serena Chida là, qui a marqué, là, il y a de ça, deux possessions. Elle qui est la meilleure, qui est la meilleure lanceuse du circuit RSEQ, qui marque à plus de 54,8% depuis le début de la saison. Donc, une joueuse efficace lorsqu'elle a le ballon dans ses mains. Exact, et qui sait prendre des lancers à haut pourcentage, qui sait bien ne pas forcer le jeu. Joueuse très intelligente, on peut en conclure. Et là, le Rougeard qui va avec trois gardes, beaucoup de rapidité. Frédéric Beaudriblet, Léa Sophie et Sabrine. Et avec deux joueuses avec plus de gabarit. Florence Fortin et Julia Denis. Et ici, Ridge qui a le dessus sur Léa Sophie il y a quelques instants. Et là, voilà, à nouveau ce duel. Alors, avec 10 secondes à faire, Eridge qui reprend le ballon. Avec sa vitesse, perd un petit peu le contrôle. Et ce sera le lancer de 3 points. Et c'est ce qui termine ce premier quart. 19 Concordia, 11 pour le Rouge et Or. Un petit peu d'hésitation à l'image de ce score. On ne semble pas trouver
notre aise dans ce match du côté du Rouge et Or? Ben, écoute, Alex, j'ai envie de dire peut-être aussi un petit peu de rouille. On n'a pas joué depuis 2 semaines. Certainement que ça peut avoir un effet. Concordia qui a joué il y a de ça 5 jours. Donc, il y a peut-être l'équipe qui est un petit peu plus affûtée en ce début de match. Sans vouloir trouver de raison là, à la troupe de Guillaume Giroux, qui a peut-être offensivement un début de match un petit peu plus compliqué, mais clairement, ça pourrait peser dans la balance. Puis, on a aussi mentionné là, dans le 5 partant une rotation. Sabrine qui n'a pas été là au dernier match, donc elle, son dernier match remonte à longtemps. Florence Fortin qui s'ajoute, Tarin Hébert aussi qui s'ajoute. Donc, je pense qu'il y a place à ajustement, mais tu l'as mentionné plus tôt, puis je pense que ça vaut encore. C'est pas le moment de paniquer. C'est pas la première fois que les filles tirent de l'arrière puis remontent au score. Donc, ça sera fort intéressant d'ici la fin du match. Et oui, donc 19 pour Concordia, 11 pour Laval. Il reste encore 3 quarts à jouer. On va prendre, évidemment, on va prendre nos aises, on va prendre notre rythme dans ce match. Mais Elodie Lajoie, je pense qu'elle n'a même pas de lancé ou un lancé en transition. Mais c'est sûr qu'on va voir des joueuses prendre leur place petit à petit dans ce premier quart. Mais donnons le crédit aussi à Concordia, qui a été excellent en défense. Les filles ont été excellentes. On n'a pas laissé de place. On a bien contré Léa Sophie Verret. Ridge a été parfaite, n'a pas commis de faute. On a limité les dégâts, autant à l'intérieur. Les rebonds offensifs, on est allé chercher faire le travail. Donc Concordia qui a un excellent premier quart. Et je le rappelle qu'on a fait une rotation aussi de leur côté. Ridge qui était sur le banc pour commencer. Donc je pense que on peut dire que le pari a été remporté là, du côté de Concordia dans notre début de match. On a eu les résultats escomptés. Maintenant, à voir qu'est-ce qui va se passer là, d'ici la demi. Comment on va rebondir les ajustements du côté des deux entraîneurs? Est-ce qu'on va faire des changements tactiques? Est-ce qu'on va amener de la pression? Comment on va réagir? Tu fais très bien de le mentionner, Alex. Là, ce petit ajustement là, de mettre sa... supposément, pas nécessairement sa meilleure joueuse, mais sa joueuse qui lead l'attaque, de la laisser sur le banc contre la meilleure équipe du RSEQ. C'est un pari risqué, ça l'a payé. Et puis Harich, qui d'après moi, ne verra pas beaucoup de pauses d'ici la fin du match, mais cette petite poussée là, du côté de Concordia là, a fait du bien. Puis elles ont l'avance par 8 points, alors que le deuxième quart recommence dès maintenant avec Sabrine Califi. Exact, Sabrine qui mène l'offensive. Harich qui est toujours sur le terrain. Ici, on voit une défensive de zone, là. On va chercher à l'intérieur. Oh, bien fait, dommage. Florence qui avait trouvé une brèche. Ridge qui ramène le ballon d'un côté à l'autre du terrain. Et on voit, on y va du côté physique, là, Sabrine qui doit de redoubler d'efforts alors qu'elle, un petit peu plus petite, perd la batteur du gabarit contre son adversaire. Léa Sophie à l'extérieur contre Ridge. Beaucoup de contacts là-dessus. Et ce sera une faute offensive appelée contre Léa Sophie Verrette. Oh, elle ne semble pas être tout à fait d'accord. Et on l'a vu aussi à la fin du quart aller discuter avec l'arbitre. Certainement par rapport à certains contacts défensifs. Mais il faut laisser aller la frustration dans des occasions comme ça et jouer notre jeu. Il y a Sophie aussi qui, pendant le match contre Bishop, là, avait été aussi frustrée là, en première partie de match. Donc, ça va être intéressant de voir si elle est capable d'adapter son jeu, si, de ne pas laisser cette frustration-là là, venir débalancer les plans ou la sortir de son jeu. Mais c'est une joueuse de qualité et puis on pourra compter sur elle. Oui, de l'autre côté, Sabrine qui accélère. Il reste agressif sur sa main gauche, on le sait, elle est très à l'aise. La main qu'elle préfère là, pour attaquer le panier. Oui, c'est vraiment une dynamique de match, Alex, qui est extrêmement intéressante parce que, premièrement, on vient déranger la 6e équipe au pays du côté Concordia. On a pris un pari en mettant sa meneuse par excellence sur le terrain. Donc, j'aime bien ce qui se passe du côté tactique, là, autant pour Guillaume Giroux qui va devoir s'adapter d'ici la fin du match que du côté de Concordia là, qui prend des risques et ça paye. Exact. Ici, on ramène Alice Fleming sur le terrain. Sabrine Califi qui était à la tête de cette pression. 3 quarts de terrain. Ici, on laisse le coin complètement ouvert au rebond. Léa Sophie. Bien fait. Garde le contrôle. Et puis on s'en sort bien du côté du Rougeard parce que tu viens de le mentionner, mais cette défense tout terrain ou 3 quarts de terrain va fort probablement rester des joueuses ouvertes comme on a vu, mais
Puis il faut pas que ça arrive trop souvent parce que dans un match de basket, le momentum peut balancer d'un côté et de l'autre et puis on se retrouve à perdre par 10, par 12 points assez rapidement. Oui, et là, les joueuses de Concordia qui réclamaient un entre-deux alors que l'arbitre avait vu une faute du côté de la numéro 8. Alors, Frédéric Beaudriblet. Audrey Belland, Léa Sophie, lancé ouvert. Bien fait de sa part, lancé ouvert de Léa Sophie. Très beau lancé aussi. Elle devrait utiliser cette arme. Elle est capable de lancer puisque lorsqu'elle est à l'intérieur, avec sa taille, ça devient de plus en plus difficile. Puis j'ai l'impression aussi que le mot se passe. Quand tu marques 18 points par match, probablement qu'on a regardé ce que tu fais sur un terrain. Donc pour Léa Sophie, ça va être une adaptation. Aussi bien défendu. Beau bloc. Frédéric Beaudriblet du 3 points. C'est la perfection. 3 points, Frédéric Beaudriblet. Tu parlais d'Élodie Lajoie qui est capable de lancer 3 points plutôt Alex, mais c'est la même chose pour Frédéric Beaudribel qui a mis le peps en feu là, il y a 2 semaines ici contre Bishop. Exact, et le Rougeard qui revient, 18 pour le Rougeard, 19 pour Concordia. Avec peu de place, est-ce qu'on va aller chercher le rebond? Et ce sera Rougeard au rebond, c'est des grosses batailles physiques à l'intérieur. Beaucoup de grandeur là, du côté de Concordia en ce moment. Sabrine qui se ramasse à l'intérieur. C'est très, très physique. Et le Rougeard qui s'en tire bien. On a vu Léa Sophie tout à l'heure s'impliquer. Sabrine s'impliquer également. On a besoin de toutes les joueuses pour aller chercher ces rebonds précieux. Alors que Harridge Bouguignot venait faire une défense tout terrain initialement sur Léa Sophie. Là. Donc, on la surveille de près. Sabrine à nouveau va chercher la faute. Une joueuse très difficile à jouer en défense, Sabrine. Peut-être moins technique que Léa Sophie, moins explosive, mais très, très physique. Peut lancer à tout moment et va aller chercher le contact, ce qui est habituellement inhabituel pour des meneuses de jeu, mais elle semble se nourrir de ça. Une joueuse très intelligente dans sa manière de jouer. Prend pas nécessairement beaucoup de risques. C'est pas une joueuse qui va sortir de l'écran lorsqu'on la regarde jouer. Mais quand le match est fini puis on prend le temps de regarder les statistiques, on voit à quel point elle est efficace et importante du même fait. Oui, ça fait hésiter les joueuses en défense ensuite. Elles ont peur de faire des fautes. Et c'est ce qu'on aime, de créer le doute chez la défenseur, créer la peur un petit peu. Et la contre-attaque ici, Concordia. Ridge, à l'intérieur de la clé, cherche. Et on y va en force là-dessus. Beau mouvement là-dessus à l'intérieur de Serena Chida. Ici, beau jeu de pied là, pour revenir sur sa main gauche. Sabrine qualifie. La contre-attaque, on amène des écrans. On trouve Frédéric Beaudriblet, on revient à Sabrine. Cherche la brèche. Peu de place, beaucoup de pression. Et c'est encore Chida. Et c'est Sabrine qui finalement se retrouve avec le ballon. Ça a touché un pied, mais on joue. 2 secondes pour le Rougeard. Et ce sera une violation des 24 secondes là-dessus. Brittany Holt qui va faire son entrée. À la place de Léa Sophie. Donc on ramène un petit peu de grandeur. Et parlant de grandeur, on a également Astan Diarra qui va aussi se joindre, faire son entrée dans ce match. Mais pas tout de suite. L'arbitre, on va attendre un petit peu avant de faire le deuxième changement. Ridge, beau mouvement de sa part. À l'extérieur, c'est Delsa Flurgan. On revient à Ridge. Bien fait, on revient. Est-ce que ce sera le troisième 3 points? Non, c'est raté. Beau rebond. Audrey Belland, et on continue. Sabrine à la contre-attaque, accélère. Sur sa main gauche, Tara Imbert perd pied. Et malheureusement, ce sera Marché qui est appelé. Alors que Tara a légèrement perdu pied en attaquant vers le centre du terrain. Double changement, Stan Diarra et Élodie Lajoie. Cette dernière action, c'est un bel exemple de cette hésitation de première demi-match. Tara voulait tirer, par la suite a changé d'idée. Puis finalement, ça l'a donné un marché, mais... Effectivement, là, va falloir être plus décisif lorsqu'on veut faire quelque chose du côté du Rougeard. Exact. On semble regarder à l'intérieur du côté de Concordia. Ridge. Astan Diarra, très physique. On a réussi à rester droite pour
changer ce lancer-là sans faire trop. Brinley Holt au centre du terrain. On cherche en hauteur pour Astan. Malheureusement, c'est raté. Harry Joel à la contre-attaque. Delissa Flurgin sur sa gauche. Mais on reviendra plutôt dans le coin, la numéro 9. C'est Jaden Somerville. Et c'est bloqué par Astan Diarra. Quel jeu défensif! Un mur! Et ce sera même ballon rougeur là-dessus. Très, très beau jeu défensif. Puis pas sur n'importe qui non plus, Alex, sur Serena Chida. On en parlait plus tôt, là, la meilleure au lancer là, du RSEQ. Donc si on peut freiner cette joueuse, ça risque d'être fort intéressant. Effectivement, Frédéric Beaudriblet, deuxième lancé de la soirée. Et c'est encore réussi. Frédéric Beaudriblet qui est en train de s'établir comme une vraie menace aux trois points. Là, elle qui en est à son deuxième ce soir et qui en a tiré 4 ou 5 lors de la partie contre Bishop. Là, elle est à surveiller. Exact. Et ce que j'ai le plus aimé de ce dernier lancer, Kenan, c'est qu'elle n'a pas hésité une seconde. Le ballon est arrivé tout de suite dans son mouvement de lancer. 0.5 secondes plus tard, le ballon avait déjà quitté ses mains et il se retrouve dans le panier. Donc, c'est ce qu'on veut. On a parlé d'hésitation. T'en parlais, Tara, tout à l'heure, qui était un petit peu hésitante et ça a causé une perte de balles. Ici, on a tout l'inverse et je pense que c'est comme ça que le Rouge et Or doit jouer. Oui, on a la pression d'être première et de tirer de l'arrière, mais il faut jouer comme les premières. Il faut que ça nous donne confiance. T'en parlais. Meilleure attaque, meilleure défensive. Mais ce sont toutes des statistiques qui, oui, doivent nous donner confiance pour jouer sur le terrain sans hésiter. On est capable de réussir ça. On est capable de revenir, même si on n'a pas le début de match escompté. Et là, le Rouge et Or est en train de faire exactement cela alors qu'il vient de reprendre les devants 22-21. Et on voit Guillaume Giroux là, à l'écran. Il y a encore des choses à corriger, bien sûr. Mais on voit de belles choses sur le terrain dans les dernières séquences. Effectivement. Puis écoute, du côté du Rougeur, avec 5 minutes à faire, on mène par un. On peut quand même se consoler parce que c'est vraiment pas un début de match parfait comme on nous a habitués depuis le début de la saison. Puis on mène quand même par un point. Donc voilà quelque chose de positif à regarder. Puis j'ai envie de dire cette éclosion de tireuses de 3 points qu'on n'attendait pas nécessairement. On a beaucoup parlé de Sabrine, on a beaucoup parlé de Léa Sophie. Et avec raison, on a mentionné leur statistique plutôt dans la soirée. Mais si elle a dit la joie, si Frédéric Beaudriblet, Brinley Hope sont capables d'être des menaces extérieures pour le Rougeur, elles vont être très, très difficiles à battre. Oui, ça va demander beaucoup de polyvalence ce soir, de versatilité. Et c'est ce qu'on est en train de voir alors que la foule, ici, se mène la partie. Un élément important à chaque fois qu'on joue au Peps, et ce sera un 4 contre 2. Sabrine qui mène. Brinley Holt à la finition. Bien fait avec la planche. 24-21 pour le Rouge et Or. Transition excessivement rapide. Très belle passe de Sabrine. Oui, Dalissa Flurgin à l'intérieur. Ce sera un marché ballon Rouge et Or. Donc, deux belles séquences défensives là, en sortant de ce temps mort. Léa Sophie qui refait son entrée et on semble voir Concordia en pression tout terrain ou pression trois quarts de terrain. Ouais, clairement, le Harridge qui a une désignation particulière sur Léa Sophie. Là, deux joueuses qui se ressemblent tout de même. Là. Oui, et quel entraîneur ne voudrait pas arrêter Léa Sophie ayant une option pour l'arrêter. Meilleure marqueuse du circuit, assurément qu'on ne voudrait pas lui laisser un poil. Hurridge aux trois points. Bien fait, la perfection vient créer l'égalité 24-24 avec 4 minutes, un petit peu plus de 4 minutes à faire à cette première demi. Sabrine Brinley Holt menace sur sa main droite, trouve Astan à l'intérieur. On cherche une brèche, ressort aux trois points finalement. Les deux mêmes joueuses qui travaillent ensemble avec 5 secondes à faire aux 24 secondes. On prend un lancer un petit peu en déséquilibre. Rebond de Ridge là-dessus. Malheureusement, qui en tombant touche la ligne du fond. Donc ce sera ballon Rouge et Or, 14 secondes. Une nouvelle chance pour le Rouge et Or. Du mouvement, on tarde un petit peu à sortir le ballon. Et là, dit la joie, qui est joué de très près. Brinley Holt au lancer de l'extérieur. Ce sera une faute à Sabrine qui qualifie là-dessus. Semble en avoir fait un petit peu trop. Alors que le mot s'est clairement passé là, du côté d'être,
d'être plus décisif sur nos lancers. Bernie Holt, malgré qu'il ait manqué, là, le fait qu'elle n'a pas hésité, c'est tout de même quelque chose de positif. Là. Effectivement. Et de part et d'autre, là, on laisse très peu d'espace aux joueuses avec le ballon. Bien fait. Stan encore. Dévie un lancer. Ça doit être son troisième ce soir. Sabrina la contre-attaque. La vitesse sur sa main gauche. Bien fait de sa part. Superbe Sabrine Kelifi. Quelle belle finition au panier ici pour Sabrine. Puis on appelle une autre faute technique sur... Ce sera une faute technique du côté du Rougeard. Est-ce que ce sera du côté du banc? Est-ce qu'on a réclamé... J'ai envie de dire, je pense qu'il y avait du contact sur Sabrine. Est-ce qu'on aurait voulu avoir la faute? Est-ce que c'est au niveau du banc? C'est possiblement Sabrine. J'ai vu qu'elle s'est, disons, légèrement adressée là, aux arbitres après son... son action, rien selon moi qui méritait une faute technique, mais nous sommes pas sur le terrain non plus, Alex, donc peut-être qu'on a manqué quelque chose là. Effectivement, et où on est, on n'entend pas tout ce qui se dit non plus parfois. Peut-être des commentaires un petit peu trop incisifs. Ouais, dans un match qui est physique, une garde est tranchée, là, encore une fois. Là. On a eu plusieurs cette saison au Peps. Là, ben, c'en est certainement une avec un point d'écart et trois minutes à faire avant la mi-temps. Effectivement. Alors, 26-25 après cette faute technique côté Rougeard. Ridge à l'attaque. Et ce sera un long lancé de deux points récupéré par Fabiola Lemoore. Ridge. Et on trouve Chida. Ensuite, Fleming. Et on revient. On veut y aller en force solide ici, Brinley Holt. Et le lancer refusé, là. 24 secondes, bien fait, Brinley Holt. On a été patiente et droite sans faire la faute. Empêché à Concordia de prendre un lancer à l'intérieur des 24 secondes. Brinley Holt, la voici. Attaque au centre, pivote. Perd malheureusement le ballon. On appelle un marché. Audrey Bellan qui reviendra à ce temps qu'il laisse sa place et Frédéric Beaudriblet également. Beaucoup de marchés qui sont appelés depuis le début du match. Là. C'est un petit peu des signes d'une défense ardue. Les joueuses qui tu l'as mentionné, qui sont des murs ce soir, Alex. Oui, Ridge qui va de l'extérieur. Et c'est le rebond ici qui est pris. Fabiola Lemoore, Ridge de nouveau. Travaille avec l'écran. Beaucoup de mouvements. On y va de l'extérieur encore une fois. Et c'est les rebonds bien faits de Sabrine. Les rebonds qui vont être un combat essentiel. Bien fait en transition. Dommage, Brinley Holt qui rate tout près du panier. Ridge à l'opposé pour Alice Fleming. On trave Fabiola Lemoore et Chida à l'intérieur. Bon, dommage là-dessus. Ce sera Brinley Holt qui... De derrière est prise en défaut. Ce sera deux lancers pour Serena Chida. Ouais, puis j'ai l'impression que ces lancers francs seront très, très importants d'ici la fin du match. Les deux équipes qui veulent attaquer plutôt que tirer du 3 points. On a vu quelques tentatives du 3 points, mais je pense que le focus est vraiment d'attaquer à l'intérieur là, des deux côtés. Oui, on vient créer l'égalité ici du côté de Concordia. Et Audrey Bellan qui prend le rebond. Léa Sophie en vitesse à la contre-attaque. Sabrine devant elle. On travaille avec Sabrine. Belle passe ici sans regarder. Frédéric Beaudriblet, dommage. Qui allait pour son troisième 3 points. Elle qui est en réussite ce soir. Déjà 2 dans cette première demi. Chida qui cherche. Peu de mouvement du côté de Concordia. Pivote. Bien fait en défense. Et c'est Sabrine, la contre-attaque. Léa Sophie qui amène la vitesse. Frédéric Beaudriblet également. On travaille avec cette dernière. Frédéric Beaudriblet, Sabrine. Place ses coéquipières. On est patiente maintenant. Sabrine avec l'écran. On a un avantage de taille à l'intérieur. Elle se fait doubler. Et on trouve Frédéric Beaudriblet qui est ouverte aux 3 points. Dommage. Trop court. Belle attaque du Rougeard tout de même. On a trouvé un lancer ouvert. Malheureusement qui ne conclut pas. Ridge, la tête haute, cherche ses coéquipières. Travaille avec un écran également. Et ce sera une faute. Brinley Holt qui est de nouveau prise en défaut.
faudrait faire attention du côté de la troupe de Guillaume Giroux. On a quelques joueuses là, qui sont déjà à deux ou trois fautes, donc on ne voudra pas perdre des éléments importants là, pour un match qui s'annonce ardu. Et oui, on voit le dernier changement. Élodie Lajoie qui vient prendre la place de Brindley Holt. Mais c'est ça la beauté de cette équipe-là. C'est qu'on sort une joueuse qu'on considère importante, puis c'est une autre qui a ce même titre qui s'amène par la suite. Exact. Et ici, Sabrine qui réussit à jouer en défense de dos pour récupérer ce ballon avec 48 secondes à faire. On aura peut-être le temps d'avoir deux attaques là, du côté du Rouge et Or. On va aller chercher des lancers de qualité alors que c'est l'égalité 26-26. Et ici, on appelle la faute. À nouveau, très peu d'espace pour manœuvrer. Avec sa vitesse, Frédéric Vaudriblet qui réussit. Et on le voit à l'écran, là, ici, c'est Léa Sophie Verrette qui a déjà trois fautes, si je ne m'abuse, dans cette première demi. Possiblement des gestions de changement en deuxième demi, là, avec Brittany Holt qui est allé chercher, qui a été prise en défaut plusieurs fois. Léa Sophie, trois fautes. Des éléments peut-être qu'on souhaite préserver et qu'on devra préserver à certains moments du match pour éviter qu'elle prenne cinq fautes et soit sortie complètement. Oui, puis ce genre de match fait ressortir un petit peu les émotions des joueurs et des joueuses lorsque c'est autant serré, lorsqu'on comprend du côté du Rougeur qu'on veut rester parfaite, mais du côté de Concordia, aller être l'équipe qui va battre cette équipe invaincue, là, ça risque de jouer fort. On a vu en fait, Alex, je crois que c'est la première fois cette année qu'on a une faute technique au Peps, donc c'est pour dire à quel point les joueurs sont impliqués là, dans ce match-là. Oui, on est venu jouer dans la tête du Rouge et Or, ce qu'on voit très, très, très peu. Mais comme l'indique le score, alors qu'on est à l'égalité parfaite, il faut jouer vraiment quatre quarts exceptionnels pour battre le Rouge et Or. Alors qu'on pourrait dire que oui, il y a quelques frustrations du côté de l'équipe locale. Mais on réussit quand même à trouver des solutions et à revenir de l'arrière. C'est ce qui est exceptionnel. Et donnons crédit aussi aux entraîneurs qui amènent cette culture, qui sont de tous les instants, de toutes les pratiques, avec leurs commentaires, avec leurs ajustements. Ce sont eux aussi qui mènent des marionnettes, mais qui dirigent leurs athlètes dans les bons moments comme dans les moins bons. Surtout dans les moins bons, j'ai envie de dire. Ouais, c'est habituellement là qu'on entend leur voix s'élever le plus. Alors que pour le Rougeur, là, on s'en est. Pendant que tu nous parlais, Alex, on s'en est très bien sorti là, alors que la passe s'éloignait un petit peu d'Audrey Bellan, là, mais elle qui a été fautée. Oui, très belle sortie de balle dessinée et exécutée du côté du Rougeur. On a dû fauter ralentir Audrey Bellan parce que c'était deux points assurés. Et c'est Ridge avec 30 secondes, un peu moins de 30 secondes, qui mènera l'attaque. On travaille avec l'écran avec Serena Chida qui roule au panier. Ridge qui malheureusement a un petit peu trop de force. Et on retourne à l'extérieur avec Greta Olivia. Et c'est la deuxième fois qu'un 3 points, qu'elle utilise l'anneau, la planche pour réussir son 3 points. Et c'est des points importants. Bien fait Frédéric Beaudriblet. Ah, dommage là-dessus. C'est dommage, mais on s'en sort bien puisqu'on garde la possession du côté du Rougeur, mais je crois qu'on n'en a pas assez mis l'accent ce soir, mais Sabrine Kelly, quel match de son côté. Les rebonds, les belles passes qu'on peut voir à l'œil nu, Alex, qui sont très, très belles. Puis est allé chercher aussi quelques points là, en attaquant le panier. Donc, clairement, elle qui reprend un petit peu le flambeau là, pour un match un petit peu compliqué du côté de Léa Sophie. Puis c'est la marque des grandes équipes. Lorsque ta meilleure joueuse tire du pied et c'est un petit peu plus compliqué pour elle un soir de voir tes autres joueuses importantes comme Sabrine, comme Frédéric Beaudriblet, comme Élodie Lajoie se lever puis dire hey, écoute, on est là Léa Sophie, on va te supporter dans ce match qui est plus compliqué là, c'est de bon augure. Exact, là, vraiment un match complet, polyvalente. Fait parler tous les aspects de son jeu ce soir, Sabrine. Même défensivement, on l'a vu jouer contre des joueuses beaucoup plus grandes, beaucoup plus costaudes qu'elle, et travailler à l'intérieur, aller chercher des rebonds, empêcher des joueuses de marquer facilement près du panier. Donc, un gros mandat, surtout quand on connaît des petites difficultés, mais répond super bien jusqu'à maintenant à ce challenge. Et là, ce sera deux secondes à faire. Rougeard qui veut créer l'égalité alors qu'on tire de l'arrière 29-27. À cette première demi, ballon est au Rouge et Or.
2,1 secondes exactement pour prendre un lancer. Frédéric Beaudriblet, Léa-Sophie Verret, Élodie Lajoie et Sabrine Kelly qui sont sur le terrain. Possession extrêmement importante ici. Oui. À l'intérieur, malheureusement. Est-ce qu'on aura le temps? Non, on ne peut pas. Je ne sais pas contrôler le ballon, prendre un lancer. C'est ainsi que ça se termine. Donc, 29-27. Concordia qui est en avance. Concordia, je pense, Kenan, qu'on peut dire qu'il joue le meilleur demi. Que le Rougeard mérite d'être à l'avance à l'issue des 20 premières minutes de ce match. Très certainement, on a vu des ajustements du côté Concordia. On a vu les meilleures joueuses comme Serena Chida marquer quelques points. On a vu aussi Inessa tirer du 3 points lorsqu'elle a eu l'occasion. Concordia, tu l'as dit, Alex, a été la meilleure équipe dans cette première demi, a été l'équipe la plus décisive aussi, j'ai envie de dire, cette conviction lorsqu'on a le ballon dans les mains. Donc, ça sera très intéressant de voir d'ici la fin du match. Du côté du Rougeur, pas de panique. On perd sûrement par deux. On a possiblement joué notre mi-temps la plus... notre première partie de match la plus laborieuse. La plus difficile, oui, la plus difficile. Et puis, on a quand même vu, on en a parlé en fin de première mi-temps, là, Sabrine Kelly qui joue tout un match. On a vu Frédéric Beaudriblet, 2-3 points sans hésiter, qui est allé les mettre à l'intérieur. Donc, on a quand même eu de bons moments du côté du Rougeur. On se rappelle, c'était 7-1 Concordia dans les premières minutes. On est venu resserrer l'écart, puis on s'est tenu à 3 points peut-être, en deçà de 3 points tout le reste de la première demi. Donc, Guillaume Giroux, on a vu une belle rotation de ses joueuses. Va devoir composer avec Brinley Holt, qui a un petit problème de faute. Léa Sophie qui a des petits problèmes de faute, mais on a vu de très, très belles choses, notamment à l'intérieur, la défensive à l'intérieur. Astan Diarra qui est allé bloquer 3-4 lancers de très belles séquences. Donc, on voit des armes différentes peut-être de ce qu'on voit habituellement du côté du Rougeard. Mais ça va jouer du gros basketball physique encore, je pense, en deuxième demi. Ça promet. Tout ça promet, Alex. On se retrouve dans quelques minutes.
Bienvenue en direct du PEPS de l'Université Laval, alors que la deuxième mi-temps s'apprête à commencer. Donc, on rappelle 29 pour Concordia, 27 pour le Rouge et Or. Concordia, qui est très, très bien sorti en cette première demi, a su neutraliser l'offensive du Rouge et Or, a su neutraliser sa meilleure joueuse, la meilleure marqueuse du circuit, Léa Sophie Verret, et sentir très, très bien Greta Olivia Ineza, qui a eu toute une première demi. 3 points réussis. A réussi à marquer à l'intérieur également. Mais rien n'est fait. Le Rouge et Or n'est pas vaincu, loin de là. Ouais, puis tu l'as mentionné, Alex, en début de partie. Là, il faut lever notre chapeau là, aux Seigneurs de Concordia là, qui sont en train de tenir tête là, à la meilleure équipe du circuit et de manière brillante. Alors qu'on y va un petit peu de la même tactique la dernière fois, Alex. Rich n'est pas sur le terrain pour commencer cette deuxième demi. Exact. Et quand elle vient sur le terrain, elle ne le quitte plus. Tout à l'heure, c'est arrivé en première demi. Là, c'est une perte de balles. Petit manque de concentration ici du côté du Concordia. Sabrine Kelifi qui va sortir le ballon et c'est Léa Sophie Verret qui débute. Ou plutôt Sabrine qui va débuter l'offensive qui mène le jeu. Léa Sophie, la voici agressive en première intention. Sabrine sur sa main gauche. Peu d'espace. Bien fait. Frédéric avec Sabrine et on va à l'extérieur. Florence. Et ici Sabrine... Bien travaillé. Est-ce qu'elle a réussi à retrouver la possession? Et malheureusement, dû aux 24 secondes qui est écoulées, ce sera le ballon à Concordia. Dommage, jeu très intelligent ici de Sabrine là, qui est allé lancer le ballon sur son adversaire. Là. Ça aurait pu marcher. Ça marche très souvent d'ailleurs. Exact. Ben, en fait, je pense que ça a fonctionné. Par contre, comme le 24 secondes a retenti, on a une paire de balles. Rowena Blais qui est donc la meneuse de jeu du côté de Concordia. Pour débuter cette deuxième demi. Et on veut travailler, on regarde pour l'intérieur. Avec Greta Olivia. Lancé, qui est raté. Léa Sophie, elle a contre-attaque. Elle accélère sur la droite. Et on trouve Sabrine, on revient sur Léa Sophie. Traverse au centre, pivote. Bien fait, beau lancé, dommage. Et on ne peut contrôler le rebond du côté du Rougeard, donc ce sera Concordia qui reprendra la possession. Dommage, belle adaptation ici de Léa Sophie. Là, on l'a vu là, plusieurs fois là, lorsqu'elle attaque le panier, là, rencontrer des joueuses qui sont plus grandes. Si elle est capable de développer, de faire partir ce tir à 2 points, là, ça pourrait être payant pour le Rouge et Or, qui est très explosive dans ses changements de direction. Oui, là, Sabrine qui va devoir être très physique. Continéza et la force à prendre un lancer en reculant. Très bien fait de sa part en défense. Florence, à nouveau, de l'extérieur. Et c'est réussi. On en parlait, Alex. On voulait plus de conviction. Là. Lorsqu'on a le ballon entre nos mains, c'est exactement ce genre d'action-là qu'il va falloir perpétuer d'ici la fin du match pour la troupe de Guillaume Giroux. Oui. Hein? Et ici, au dommage, c'est raté. C'était une belle percée de Chida. Oui, on veut délancer sans hésiter. Et voilà, sur sa main faible, Léa Sophie, toute une maîtrise. C'est le Rouge et Or là, qui reprend les devants déjà. Très beau deux. Dans cette deuxième demi, 32-29, 5 points sans riposte et ce sera une faute offensive. Alors, de belles séquences du Rouge et Or. J'allais dire très bon début de troisième quart. Là, ben avec la faute, ça vient s'ajouter. Exact, une belle variété de lancers aussi offensivement à Rouge et Or. On a eu 2 lancers de l'extérieur. On a essayé d'attaquer, on a eu 2 lancers mi-distance. Léa Sophie qui mène cette offensive. Frédéric Beaudriblé, on revient à Léa Sophie. Changement de direction, on cherche. On trouve Florence et on revient de l'autre côté à Sabrine. Avec l'écran d'Audrey Bellin. Oh, ça monte fort sur Sabrine. Trouve Léa Sophie dans le coin. Elle est ouverte et c'est réussi. 35-32, 3 points de Léa Sophie Verret. Quel beau contrôle de Sabrine Kelifi ici de ne pas paniquer là avec les 2 joueuses sur elle. Et puis et éventuellement ça paye puisque lorsqu'il y a 2 joueuses sur une seule, il y en a une de libre. Exact. Et ici, lancer difficile encore une fois. On récupère le ballon, on crée la faute. Alors vraiment, c'est 2 minutes 47 là maintenant qui sont tout à l'avantage du Rouge et Or. On sort dominante. Et puis pour le Rouge et Or, on pourra compter encore une fois sur une Sabrine Kelifi là, qui,
qui n'a pas dérougi là, durant la pause. Elle qui vient de faire une belle passe, un rebond. Elle qui a été impliquée aussi en défense lors de la première possession offensive du côté de Concordia. Donc, oui. Tout un match de sa part. Oui, on voit Aridge là, qui a fait son entrée. Et là, c'est tout l'inverse du premier 3 minutes du match, alors que Concordia avait l'avance 7-1 quand Aridge a fait son entrée sur le terrain en début de match. Et alors que là, le Rougeur a une séquence de 8-0 pour commencer cette mi-temps. Et ce sera une faute technique ici appelée du côté de Concordia. Deuxième dans ce match. On n'a visiblement pas la mèche longue du côté des arbitres ce soir. Là. Encore une fois, Alex, là, je tiens à le mentionner. Tu l'as très bien dit tantôt. On ne sait pas exactement ce qui se dit, là, mais en 5-6 matchs là, cette année, là, on n'a pas vu ça. Donc, deux ce soir, c'est assez exceptionnel. Merci. Oui, un excellent travail d'arbitrage ce soir. C'est un match physique. On en a parlé, très physique. On ne laisse rien aller. C'est vraiment, il faut les féliciter. Ces arbitres qui font un grand travail. On a une grande qualité d'arbitre ici à Québec. Et Frédéric Beaudriblet qui concrétise l'action. Faute technique, contrairement à une faute antisportive. La possession revient à l'équipe qui avait le ballon. Donc, c'est Concordia qui récupère le ballon là-dessus. Tara Hébert qui reviendra prendre la place de Florence Fortin. Et c'est Aridge qui mènera l'attaque de Concordia. Avec de la vitesse. Rowan Ablet sur sa main gauche. C'est raté, rebond. Et ce sera un entre-deux. Belle présence sur le rebond offensif de Concordia. Ballon sera au Rougeur. Sabrine Kilifi qui mène l'attaque. 36 le Rougeur, 29 pour Concordia. Du côté gauche. Elle trouve Léa Sophie pour un deuxième 3 points. Et c'est la perfection, Léa Sophie Véret, 3 points. On parlait d'adaptation pour Léa Sophie Véret. Ben, si elle est capable d'aller chercher des 3 points, on ne dira pas non. Et on la trouve relâchée là, en première demi, vu la frustration, la difficulté. Et là, c'est sans hésiter. Et la foule qui se mène la partie. La défensive est hermétique. Et la contre-attaque, Sabrine, sur sa main gauche, on trouve Audrey Bellin, c'est réussi. Il reste encore. Et puis là, on prend un temps mort. Et on prend un temps mort, oui, alors que le Rougeur reprend l'avance. 41-29. Concordia qui n'a toujours pas marqué en deuxième demi. Et le Rougeur, c'est maintenant 14-0 pour débuter la deuxième demi. C'est exactement ce qu'on souhaitait, exactement ce que Guillaume Giroux voulait. Voir la suite. C'est tout simplement incroyable, ce début de troisième quart du côté des filles du Rougeur. Ça montre du caractère, ça montre une envie, puis ça montre aussi le talent que cette équipe-là a. C'est-à-dire que même si ton entraîneur veut te motiver, il veut te passer un message, si l'être intérieur de chaque joueuse n'est pas présent, n'est pas là, ça ne marchera pas. Donc, on peut voir les standards que les filles se sont mis et qu'elles accepteront. Donc, pour elles, clairement, lorsqu'elles sont rentrées dans la chambre, pour ce 15 minutes de pause, c'était inacceptable ce qui se passait. Et puis, elles répondent de la meilleure manière possible, Alex. Exact. Et puis, on a laissé derrière nous tout ce qui a moins bien été. Les émotions, un peu de frustration de la première demi. C'est terminé, on repart à neuf. Et là, on le voit, le meilleur exemple, c'est Léa Sophie Béret qui est relâchée, joue son basket, de l'excellent basket, sans hésiter. Et on le voit, deux réussites aux trois points. Ensuite, une réussite sur sa main faible. C'est là où elle excelle dans sa polyvalence, dans les multiples lancers, les multiples menaces qu'elle peut apporter pour son équipe. Donc, c'est vraiment très beau de voir ça. On en parlait, hein? Les grandes équipes dans les moments difficiles. C'est là qu'on doit jaillir, qu'on doit faire parler notre caractère d'équipe. Écoute, dans ces quelques minutes, on a réussi plus de lancers de 3 points que durant toute la première mi-temps. Donc, ça parle beaucoup. Exact. Ridge. Et là, ce sera de voir la réponse de Concordia. Est-ce qu'on a d'autres armes? Est-ce qu'on peut se sortir de ce moment plus difficile? Et on va à l'intérieur avec Inéza. Et c'est bloqué par Sabrine Kilifi. Et si on va chercher tout de même la fonte de Sabrine qui travaille très fort là, contre Greta Olivia Inéza, qui est une joueuse physique plus grande que Sabrine. Donc, plus on se rapproche du panier, plus le travail est difficile défensivement. Premier duel remporté par Sabrine, mais le deuxième, c'est Inéza qui a eu le dessus alors qu'elle manque le premier lancer.
Inezza qui a été très importante là, pour les Stingers. Elle qui a marqué 3 points. Et puis, tu viens de le mentionner, qui n'est pas non plus une joueuse à négliger à l'intérieur. Là. C'est à chaque fois que Sabrine est sur elle, ça semble laborieux. Mais écoute, elle tient son bout, comme on dit. Exact. Elle se débat très bien. Et là, c'est la contre-attaque après le deuxième lancer raté. Sabrine avec la vitesse sur sa main gauche. Ah, dommage qu'il ne peut conclure. Ridge, la vitesse de l'autre côté. On retourne avec Inezza. Serena Chida. On semble beaucoup vouloir donner la balle à nos joueuses près du panier. Ridge de l'extérieur. Beaucoup de circulation, beaucoup de contact. Ridge qui retrouve le ballon. Oh, bien fait en défense. Belle réaction de Frédéric Beaudriblet. Belle anticipation là-dessus. Qui touche légèrement le ballon, mais assez pour le faire dévier et empêcher un panier certain. Oui, puis ça, c'est quelque chose qui était, même si c'est un infime détail dans tout ce qui va se passer dans ce match-là, là, quel bel effort ici, Frédéric Beaudriblet. Là, même après 14 points consécutifs, là, l'intensité d'infassive, elle, qui n'a pas descendu d'un cran. Ouais, exact. Un des matchs les plus physiques, si ce n'est pas le plus physique depuis le début de cette saison pour le Rouge et Or. Habituellement, c'est beaucoup en vitesse. Aujourd'hui, c'est vraiment à l'intérieur, même pour les gardes, même pour les plus petites joueuses. Frédéric Beaudriblet, on revient à Sabrine, on traverse de l'autre côté rapidement. Léa Sophie, un bon lancer de sa part. Encore une fois, on varie les menaces. On veut être imprévisible. Inezza qui attaque sur la main gauche. Sabrine, encore une fois, très serré en défense. Et c'est le rebond. Audrey Bellan, la contre-attaque de Kelifi. Est-ce qu'on pourra en profiter? On a un surnombre. Frédéric Beaudriblet à Tara Imbert. Trop malheureusement. Et la contre-attaque. Ridge. Et on sent que le match s'accélère un petit peu de part et d'autre. Et Ridge qui ralentit. Chida. Pivote au centre. Main faible. Bien fait de sa part. La joueuse la plus efficace du circuit. T'en parlais tantôt, Kenan. À plus de 54% de réussite. Exceptionnel comme pourcentage. Pour une joueuse d'impact comme elle qui ne prend pas un lancer par match, en prend plusieurs et tout de même réussit à garder une réussite. Bien fait en défense, Inezza. Les mains sont rapides pour empêcher Tara Imbert d'attaquer. Astan Diarra qui reviendra. Elodie Lajoie et Brinley Holt. Diarra aussi qui a joué une excellente première demi. Très, très, très marqué sa présence défensive. Là, a bloqué, a changé beaucoup de lancers. Diarra a un archétype parfait pour ce genre de match, j'ai envie de dire. Le physique, grand dans l'intérieur, là pour contrer et pour marquer. Là, donc, Oui, alors qu'Elodie Lajoie rate près du panier. Ridge à la contre-attaque. Sabrine qui est maintenant sur Ridge. Lancé de très loin de Rowena Blais. Ça frappe deux fois l'anneau et on est reparti. Kelifi. Diarra, belle course de sa part. Superbe. On parlait du tempo du match qui s'accélère. Là, que ce soit Ridge ou Sabrine Kelifi, on veut remonter très, très rapidement là, le terrain. Oui, on est habitué de voir nos monteuses aller à un rythme effréné. Mais là, c'est Astan Diarra qui a accéléré, qui a trouvé la brèche. Et on a vu une course d'une cinquantaine de mètres là, pour réussir à aller jusqu'au panier. Ici, ça sonne. Beaucoup de contacts. Et on est reparti de l'autre côté. On le voit. Hein? Brinley Holt qui est parti tout de suite. Est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Ah, dommage. Tara Imbert qui s'était démarqué en dessous du panier. Sabrine Kelifi qui l'avait vu. Mais Tara n'y croyait plus. On parlait de la vitesse. Là, Tara qui vient de faire son entrée là, sur le terrain. Je pense qu'elle a été surpris un petit peu là, par cette petite vitesse, justement. Exact. Et je crois qu'Elodie Lajoie ne l'avait pas vu. C'est Sabrine qui arrivait en renfort qui tout de suite lui a voulu lui donner le ballon. Et c'est Ridge à la contre-attaque. Alors que le Rougeur allait devant par 12 points, 43-31. Ridge qui trouve la brèche, réclame une faute. 10 points d'écart maintenant, Sabrine. Avec Brinley Holt, Tara Imbert, Astan Diarra et Elodie Lajoie. C'est cette dernière qui a le ballon dans le coin. Attaque au centre. Cherche. Brinley Holt de l'extérieur et c'est réussi sans hésitation. 46-33.
Et ça, c'est qu'est-ce qu'on aime voir. C'est le retour de ces tirs de trois points qui ont donné tant de succès au V de Guillaume Giroux depuis le début de la saison. Et puis, ça a été le mot d'ordre, d'après moi, dans le vestiaire, parce qu'il y a un changement clair là, dans les intentions offensives de l'équipe. Oui. Rich qui tente de répondre. Oui, Diarra qui s'écroule, semble blessé là-dessus. Rowena Blais qui réussit son trois points. Ça semble douloureux. C'est vraiment pas un bon signe là, ce qu'on voit. Alex, elle, qui sont un peu effondrés, sans contact, là, j'ai envie de dire. Habituellement, ces blessures-là sont peut-être plus épeurantes, là, mais on va laisser l'équipe médicale faire son travail. Puis, très certainement, souhaiter à Diarra là, rien de trop sérieux, elle, qui joue bien ce soir. Oui, puis elle qui a déjà été incommodée par des blessures, semble tenir son genou droit là-dessus. Mais bon, on a un match où il reste encore 1 minute 45 au troisième quart. Guillaume Giroux qui fera certainement des ajustements pour ça, mais c'est vrai, comme tu le disais, à ce temps qu'il jouait tout un match, qui a apporté, fait sa marque, notamment par son physique défensivement au rebond. Et là, on a vu Brindley Holt là, sur le dernier lancer de trois points. On est allé marquer et on en parle sans hésitation. On attrape la balle avec l'intention de marquer. Ça sent dans les lancers et également dans les pourcentages de réussite. Donc, c'est cette énergie qu'on doit garder du côté du Rougeard, énergie offensive sur les transitions, sur la vitesse, sur notre prise de lancer. Et c'est ce qui fait qu'on a commencé là, déjà 16 points dans ce troisième quart. Alors qu'il reste 1 minute 45, c'est 16-7 dans le troisième quart. Donc, tout à l'avantage des filles de Guillaume Giroux. On a clairement été challengés durant ce match-là. J'ai mentionné aussi peut-être une certaine rouille après avoir joué pendant deux semaines. On le sait, c'est le retour aussi sur les bancs universitaires pour plusieurs, probablement pour l'entièreté des joueuses cette semaine. Donc, c'est cette inactivité mélangée avec ce retour scolaire a peut-être été dur de reprendre là, cette chimie d'équipe là, alors que Diarra là, peine à se rendre là, au banc, elle qui est accompagnée des deux soigneuses de l'équipe. Là, on lui souhaite de la santé là, à Diarra. Là, puis un bon rétablissement parce que ça semble être un petit peu plus sérieux qu'espéré. Là. Exact. Là, du moins, semble très incommodé. On souhaite que ce soit temporaire, bien sûr, pour elle et puis pour son équipe. Léa Sophie Véret qui monte le ballon. Recherche est en attente de coéquipier à Brindley Holt. On travaille avec l'écran maintenant. C'est elle, Léa Sophie, qui accélère. Arrêtez, un peu d'hésitation. On retourne à l'intérieur. Audrey Ballant. Tara Imbert sur son main gauche. Bien fait de la part d'Imbert et avec la faute. Tara Imbert qui va chercher le lancer, le contact. Belle patience. Elle a su accélérer au bon moment. Non, beau jeu collectif là-dessus. Tara Imbert, son lancer franc. La perfection. Peut-être Tara Imbert là, qui possiblement aura un plus grand rôle là, très certainement d'ici la fin du match, mais dans un futur aussi, là, elle qui possiblement prendra plus de minutes. Exact, il faudra combler la part de Diarra et c'est une de celles qui peut le faire. Et on rappelle qu'Erika Nzodum aussi est absente du moins ce soir pour blessure. Léa Sophie de peine et misère là, qui a été jouée très serrée par Lemoore. Si c'était bloqué, mais ce sera toujours possession Rougeard alors qu'on cherchait Tara Imbert dans le coin. 8 secondes à faire. Et Frédéric Beaudriblet ne fera pas son entrée tout de suite. Audrey Bellin avec le ballon. On va chercher Léa Sophie. Avec peu de temps, le lancer de l'extérieur. Et c'est réussi Léa Sophie. Troisième 3 points dans ce troisième quart. Elle est en réussite. Écoute, Alex, je sais pas si elle nous a écouté là, avant qu'on aille à la pause, là, mais on parlait d'un match difficile, là, ben c'est plus le cas, là, j'ai envie de dire. Exact. Et tu disais les joueuses du Rougeard qui, en premier, à la demi, certainement, n'étaient pas satisfaites de leur match. Et on la connaît, Léa Sophie, assurément qu'elle, individuellement, sentait qu'elle pouvait en faire plus et que le match n'allait pas se finir comme ça. C'est pas vrai qu'elle allait se faire arrêter. Et la voilà déjà avec 11 points dans ce. Dans ce corps seulement. Puis je le répète souvent durant le match des filles qui sont, j'ai envie de dire, parfaites depuis le début de l'année. On,
on relâche pas à des moments où est-ce qu'on pourrait se sentir confortable. Ça aurait été facile pour les filles de Guillaume Giroux se dire à la mi-temps, écoute, hey, on perd sûrement par quelques points, c'est 7-0, même si on perd un match. Non, on veut 8-0, on veut être parfaite. Puis cette énergie-là se ressent dans toutes les facettes du jeu. Exact. Et puis chaque possession est importante. Très peu de largesse. On se bat comme là au rebond. Même si on a un désavantage de taille. Ici, Rowan Ablet. Lancé réussi. De la part de Rowan Ablet. Concordia qui n'est pas battu non plus. Et c'est ainsi que se termine ce troisième quart. 52-38. Le Rouge et Or qui va d'une performance incroyable. Alors qu'on avait 27 points à la demi, 25 points, une poussée de 25 points dans ce troisième quart, ce qui amène un total à 52, auquel on est plus habitué dans l'offensive du Rougeard, qui est la meilleure du circuit, on le rappelle. Première demi plus difficile, mais là, on les sent lancer. Non, vraiment, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a vu. Tu viens de le mentionner, Alex, au terme des points. On a presque marqué autant de points en un quart que durant toute la première demi. Mais aussi l'approche offensive qu'on a choisie. On attaquait beaucoup au panier. On voulait jouer physique lors de la première mi-temps. Alors que maintenant, on est ressorti avec nos armes habituelles, j'ai envie de dire. Des tirs de 3 points, faire tourner beaucoup, beaucoup le ballon, puis jouer rapidement. Donc, pour les filles du Rougeur, là, c'est que du positif. Maintenant, c'est de ne pas se sentir confortable. Puis c'est quelque chose qu'elles n'ont pas fait depuis le début de la saison. Donc, ce n'est pas trop inquiétant, mais tout de même, il faut absolument pas laisser Concordia rentrer dans ce match-là parce qu'on l'a vu en première mi-temps. C'est une équipe qui dérange. C'est une équipe qui est aussi polyvalente. Leurs grandes et grosses joueuses qui sont à l'intérieur, qui sont physiques, ont tiré des 3 points aussi. Donc, va falloir rester à l'affût de comment ça se déroule dans les prochaines minutes. Effectivement, là où Concordia a excellé en première demi d'arrêter les lancers de l'extérieur des joueuses du Rouge et Or, ça a été l'inverse dans le troisième quart. Rouge et Or a marqué beaucoup de lancers de 3 points. Et j'ai envie de dire, du côté du Rouge et Or, on a arrêté les lancers de 3 points du côté de Concordia. On a limité du moins l'apport offensif des lancers de l'extérieur. Et ça, on a gardé le match physique. Et ça a eu beaucoup de succès. Ça a changé la donne. Ça a donné beaucoup de difficultés à Concordia qui se cherche un petit peu, a eu de la difficulté à rentrer dans cette mi-temps. Ça a pris 5 minutes peut-être avant qu'on marque les premiers points du troisième quart. Donc le Rougeard, vraiment les ajustements qui ont porté fruit de la première seconde du troisième quart. Et là, il faut rester dans cette énergie, rester dans cette intensité. Et je pense que les filles ont l'air d'avoir plus de plaisir aussi. On voit plus beaucoup de frustration. On voit plus de gestuels, de commentaires aux arbitres. Ça aussi, c'est bien de voir ça d'une équipe. Florence. Sabrine, malheureusement, qui échappe le ballon. Ouais, Alex, tu fais bien. Juste pour rebondir sur ton dernier commentaire, tu fais très bien de le mentionner parce que ça peut rapidement tourner au vinaigre là, lorsqu'on est émotif, lorsqu'on a aussi des arbitres comme ce soir qui ne laissent pas passer grand-chose. Donc, on aurait pu continuer dans cette lignée de frustration, mais d'être capable d'utiliser cette énergie-là à essayer en positif, là, c'est encore une fois là, quelque chose de très bien à voir là, pour les filles du Rouge et Or. Exact. Et on regarde les statistiques, Léa Sophie, qui est allé chercher 3-5 alors que Sabrine finit au panier du côté gauche, son côté favori. Léa Sophie qui est maintenant à 14 points, là, 11 points dans ce troisième quart. Elle qui a connu plus de difficultés en première demi a été pas loin d'être inarrêtable. Le troisième quart était à elle. Et c'est Chida qui vient finir au panier. Beau jeu collectif de Concordia. On a profité là, du mauvais positionnement d'Audrey Belland là, pour venir marquer 2 points à l'intérieur. Oui, on parlait de Sabrine, là, son match polyvalent. Après 3 quarts, les statistiques, Sabrine, 8 points, 8 rebonds, 6 passes décisives. Donc, c'est vraiment un match complet de sa part. Et je dis un match, il y a 3 quarts de fait, on n'est pas un match tout à fait complété. Donc, une excellente performance de sa part. Elle qui a tenu même les rênes du Rougeard en première demi, j'ai envie de dire. Et la voici avec un nouveau rebond. Et elle va aussi aller chercher une faute avec son rebond. Donc, c'est une joueuse très, très intelligente. On l'a vu, mais on la voit aussi
vendre ses fautes, j'ai envie de dire. Puis c'est des petits détails comme ça qui vont venir pencher dans la balance de Sabrine, qui est dans sa troisième année d'éligibilité, elle qui joue depuis très très longtemps, un produit des dynamiques de Sainte-Foy. On en a parlé là, à maintes reprises, elle qui a joué là, au Saint-Frédéric Beaudriblet. Et puis Léa Sophie Verret aussi. Ça se ressent, ce genre de connexion sur un terrain. Exact. Florence Fortin, ici, beaucoup de contacts, perd le ballon, perd le contrôle. À l'intérieur, Ridge à la contre-attaque. On sent 4 contre 4 là-dessus. Bien fait, belle patience. Aussi, on est en déséquilibre. On n'était pas trop en contrôle du côté de Delissa Flergin. Ce sera tout de même 2 lancers francs. Alors que Julia Denis a fait son entrée sur le terrain, le Sabrine qui reprend un petit peu de repos. C'est un beau moment lorsqu'on mène par 14 avec 8 minutes à jouer. Là, si jamais ça se resserre, on aura une joueuse importante là, à remettre sur le terrain. Exact. Et on a encore des joueuses d'impact sur le terrain. Aucune inquiétude à avoir. Dans une équipe comme le Rougeard, on peut se permettre aussi des rotations sans problème. On a beaucoup d'armes. Ici, il y a un appel de l'arbitre. Ce sera ballon Concordia. Aridge. Avec 10 secondes à faire cette attaque. Blais. Une menace de l'extérieur. Rowena Blais. Aridge. C'est elle qui s'élance. 3 points. Bien travaillé au rebond. Un rebond d'équipe. Là, Frédéric Beaudriblet qui est venu aider sa coéquipière. Et on part avec de la vitesse. Là, voilà, Frédéric Beaudriblet. On revient avec Léa Sophie Verret. Florence Fortin maintenant. Brinley Holt. On menace au centre. On revient sur sa main gauche. Belle passe à Denis. Oh, c'était beau, même. C'est malheureux que ça se finisse comme ça parce que c'était très, très beau cette action offensive. Oui, et c'est là qu'on voit la vitesse caractéristique du Rougeard. Alors qu'on vole le ballon défensivement. Et on repart, on accélère. Petit avantage numérique. Est-ce qu'on peut en profiter? Ah, dommage. Bon, on sent que ça s'accélère un petit peu, là. On crée des pertes de ballon, on crée des revirements du côté du Rougeard. On traverse le terrain rapidement. Aridge. Avec l'écran d'Inesa Fleming dans le coin. On revient avec Inesa. Lancé. C'est trop court et ce n'est pas contrôlé. Inesa qui s'est un petit peu éteinte, j'ai envie de dire, dans cette deuxième partie de match, là, chose que. On se plaindra pas du côté du Rougeard, elle qui avait, on se rappelle, là, marqué 3 points, là, qui a fait beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe des Stingers. Oui, il n'a pas semblé retrouver ses marques exactes. Frédéric Beaudriblet ressort à l'extérieur. Léa Sophie, très bien fait, va chercher la faute même. Quelle belle action ici de Léa Sophie, là, qui est allée avec la fausse passe et puis par la suite est venue contourner ça. Son adversaire avant d'aller chercher une faute. Très belle action individuelle ici pour Léa Sophie. Elle qui clairement a repris du momentum depuis la pause de la mi-temps. Ah oui, pas du tout la même joueuse en première mi-temps et en deuxième mi-temps. C'est toujours intéressant de voir une joueuse qui domine puis qui est arrêtée durant une partie du match, là, de rebondir comme ça. Là, ça montre son envie d'être la meilleure du circuit cette année. Exact. Blais, aux 3 points. Une des meilleures de la Ligue également à ce chapitre de lancer de l'extérieur. Rowena Blais, numéro 15 de Concordia, qui peut lancer de très, 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 très loin. Denis ici. On retourne avec Léa Sophie, le pivot. Oh, quelle agilité, mesdames, messieurs! Léa Sophie Verret trouve un trou de souris, pivote et finit tout en finesse. Ridge qui tente d'y aller également jusqu'au bout est arrêté. Alice Fleming. Ridge qui reprend le ballon. Tente d'y aller à l'intérieur.
Belle défensive de Denis là-dessus. Laisse très peu d'espace et c'est fait. Récupère le ballon. Léa Sophie, on ralentit le jeu un petit peu. Avec 5 minutes 30 à faire à ce match. 58-41 pour le Rouge et Or qui a dominé dans cette deuxième demi. Le temps est notre meilleur ami pour le Rouge et Or. Exact. Faire attention au ballon. Denis à l'intérieur. Bien fait de sa part. Puis on va demander un temps mort du côté des Stingers. Exact. Okorza qui demande un temps mort. Alors que le Rouge et Or a une belle avance là, ici. Avec ce dernier 2 points, je pense qu'on tombe à 60-41. Mais c'est de Julia Denis qui est venu donner un petit plus pour le Rouge et Or. Un petit apport offensif aussi. On voit que le ballon roule beaucoup mieux. Léa Sophie est en confiance. Puis là, Sabrine Kelipi qui est allée sur le banc, mais on a gardé la même intensité, la même vitesse. On travaille avec beaucoup de joueuses. On a vu Holt vouloir y aller tout à l'heure. Super belle passe à Julia Denis. Malheureusement, n'a pu conclure, mais on voit que c'est plusieurs éléments là, qui prennent leurs aises offensivement. Le ballon qui bouge plus, la vitesse, les contre-attaques. Et le Rouge et Or qui est à l'aise dans ce style de jeu. Ouais, puis c'est quelque chose qu'on a mentionné souvent, Alex, là, au travers de la saison, dans une équipe de basket, dans ce cas-ci, mais ça peut être dans n'importe quel sport, de sentir que tout le monde est impliqué, que ce soit ta joueuse qui joue 10 minutes ou celle qui joue 40, bien sûr. C'est important que chacun fasse sa part. Si Julia Denis peut rentrer, jouer 10-12 minutes, mais faire 4-5 bonnes possessions défensives, aller marquer 4 points puis prendre 3 rebonds, sa mission est réussie. Donc c'est encore une fois très, très encourageant. C'est difficile de ne pas être élogieux là, envers cette équipe-là parce que c'est presque à tous les chapitres du circuit du RSEQ qui sont premières au classement, en attaque, en défense, au rebond. On a la meilleure marqueuse. Voilà, c'est encore une fois une belle performance pour les filles du Rouge et Or. Oui, le Catherine Champagne qui fait son entrée dans le match, sa première présence là, sur cette action. Et tu parlais de Julia Denis. Très important aussi, Guillaume Giroux, qui est un coach expérimenté, très, très intelligent. Avec la blessure à Aston Diarra, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça semblait douloureux, mais on ne joue pas dans l'incertitude. On embarque tout de suite une joueuse qui va avoir un rôle plus important aussi. Julia Denis qui possiblement va avoir plus de minutes dans les prochains matchs peut-être si la blessure était pour garder Aston à l'extérieur un peu plus longtemps. Donc il faut qu'elle prenne ses marques et tout de suite on se met en mode solution là, du côté du Rouge et Or et c'est ce qui fait qu'on a l'avance là, maintenant par 19 points là. Ici c'est complexe et on est allé chercher la faute du Rouge et Or alors qu'on s'en allait un petit peu nulle part là, dans cette offensive alors qu'on était sur le côté sans dribble. C'est une manière de faire défensive que les Steelers ont utilisé à plusieurs reprises durant le match. Là, aller faire une double pression défensive. Là. Exact. On trappe avec la ligne. Et là, Julia Denis, dommage. Tara Imbert qui avait bien travaillé pour démarquer sa coéquipière. Rowan Ablet. On est allé avec de la taille. Là. Ridge qui a laissé sa place sur le terrain. On a Lemore Flurgin. Blais, Ineza qui sont là. Alors là, qu'on mène par 19 points, là, la distance a été prise du côté du Rouge et Or. Maintenant, c'est seulement d'éviter les erreurs. Puis ce match devrait être plié, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, exact. Et puis, intéressant, Concordia qui essaie quelque chose, veut changer le rythme aussi pour voir est-ce qu'on est à l'aise avec cette défensive, comment le Rouge et Or réagit. Est-ce que c'est une arme qu'on peut sortir à d'autres moments? On a de la grandeur sur le terrain du côté de Concordia. Donc, de voir ces ajustements-là. Encore une fois, la saison est longue. Il y a des séries éliminatoires au bout de la saison. Toute occasion de progresser pour une équipe est bonne. Et ici, c'est très bien fait en défense côté du Rouge et Or. Mais on est tenace côté de Concordia. On ne laisse pas partir Julia Denis avec le ballon malgré qu'elle ait récupéré le rebond. Si j'avais à décrire le match avec une séquence, je pense que c'est celle-là que je prendrais. Pas nécessairement parce qu'on a vu quelque chose de spectaculaire, mais parce que depuis le début du match, les deux équipes bataillent. On a vu plusieurs facettes offensives des deux côtés, mais cette hargne, ce vouloir de gagner était présent tout au long du match. Ouais, effectivement, tu fais bien en parler. Concordia a contrôlé le rythme du match un peu plus en première mi-temps. Ça a été un match physique un petit peu plus lent. Et le Rouge et Or a eu plus de difficultés. En deuxième mi-temps, on a amené de la vitesse, amené de l'espace sur le terrain à l'avantage du Rouge et Or. Ineza ici,
alors que Imbert chute. Et ce sera une faute d'appel. Ce sera sur Holt. Est-ce que ce sera sa quatrième faute, Brittany Holt? Alexia Marois qui fera son entrée. Sa première du match, si je ne me trompe pas. Exact. Alexia Marois qui a un excellent gabarit, une joueuse qui vole beaucoup de ballons, de grands bras, un excellent sens de l'anticipation. Oui, avec 19 points d'écart, 3 minutes à jouer, c'est le moment parfait pour donner de l'action à des joueuses qui Alexia Marois, même si elle n'a pas joué ce soir, c'est une joueuse qui est extrêmement polyvalente défensivement, qui peut rentrer à des moments clés dans un match. Là. On parlait de garder tout le monde impliqué sur le banc. Là. Beau changement ici de Guillaume Giroux là, pour donner quelques minutes à sa joueuse. Exact. Elle qui pourrait faire le 5 partant de certaines équipes là, au RSEQ. Mais le Rouge et Or a tellement de profondeur. La beauté aussi de cette équipe. On traverse de l'autre côté. La voilà, Alexia Marois. Premier lancé. Catherine Champagne au rebond. Ça n'a pas touché l'arrière du panier. Oh, malheureusement, là, 3 points de Léa Sophie. Elle n'aura pas tout de suite son quatrième de la soirée. Il y aura un nouveau changement, Elodie Lajoie, qui refera son entrée pour Catherine Champagne. Deux minutes 39 à faire, 60 pour le Rouge et Or, 42 pour Concordia. Une performance défensive exceptionnelle du Rouge et Or en deuxième mi-temps. Alors que si Inesa trouve une brèche et se rend jusqu'à l'anneau FOT. On se rappelle qu'à la mi-temps, Concordia était en avance 29-27. C'est maintenant 60-42. Donc, c'est une deuxième demi, là. Tout à l'avantage du Rouge et Or. J'ai envie de dire une deuxième demi plus habituelle. Quelque chose, en fait, du moins à ce quoi elles nous ont habitués cette année au Peps, là. Exact. Et maintenant, avec ce lancer réussi de Greta Olivia Inesa, 60-42, ou ça, 60-43, pardon. 33-14 en deuxième mi-temps là, en faveur du Rouge et Or. Ça a été une équipe qui a été fouettée dans le vestiaire, là. C'est le cas de la dire. Là. Et puis on en parlait tantôt, les entraîneurs ont une grande partie dans cette motivation, dans cette remise en question, mais si tes joueuses ne sont pas présentes d'esprit et de cœur, ça ne marche pas. Donc chapeau là, à toute l'équipe, autant les joueuses que le staff technique de l'équipe. Exact. Et là, la joie maintenant. Léa Sophie, aux trois points à nouveau. C'est court. Repris par Delissa Flergin, qui mène l'attaque. Cherche Greta, trouve Greta Olivia Inesa. Rowena Blais au centre. Bien fait de sa part. Utilise la planche pour finir. Avec moins de deux minutes à faire, Léa Sophie qui mène l'offensive contre le zone 1-3-1. De Concordia qu'on a vu dans les dernières minutes. Alexia Marois revient au centre. Trouve Elodie Lajoie. Et on y va avec Florence Fortin dans le coin. De l'extérieur à nouveau. Et c'est Rowena Blais qui partira la contre-attaque. Elle est arrêtée. On trouve Inesa. Revient sur Rowena Blais. Qui est défendue solidement par Verrette. Et ce sera une faute appelée contre Léa Sophie Verrette. Lamour à la numéro 12. Flergin qui est hésitante. On revient avec Rowena Blais. Très physique. On est très serré en défense. On revient avec Flergin. Lancé alors que le 24 secondes retentit. Et ça sortira à l'extérieur. Ce sera ballon pour le Rouge et Or. 1 minute 9 à faire. Rouge et Or qui a une avance plus que confortable à ce moment-ci du match. 60-45. Après une deuxième demi exceptionnelle de leur part, Alexia Marois qui revient à Léa Sophie Verret. On travaille dans le coin. Elodie Lajoie du 3 points. Et c'est la perfection. 3 points, Elodie Lajoie. Son premier tenté ce soir, je pense, Kenan. Oui, on l'attendait durant tout le match. On en a discuté durant la pause. Là. Et ici, je pense que ce sera une double faute.
sur le contact là, en haut de la clé. On top, comme on dit en anglais. Rowan Ablet travaille avec Ineza. On s'en va dans le coin jusqu'à Flurgen. Rowan Ablet qui va au panier. Bien fait, Florence Fortin qui a créé le mur. On revient avec Flurgen. Tente de déborder contre Elodie Lajoie par le contrôle un petit peu. 3 secondes à faire. 2, 1. Ce sera un lancer de 3 points. Rowan Ablet qui ne touche pas l'anneau. Donc ce sera violation du 24 secondes. Brinley Holt qui refait son entrée pour les dernières secondes du match. Léa-Sophie Verret, toute une deuxième demi de sa part alors qu'elle quitte le terrain. Elle a su rebondir dans ce match où elle n'a pas eu le début de match qu'elle aurait souhaité. Un petit manque de communication ici du côté des filles du Rougeur. Je pense qu'on va en rire plus qu'autre chose avec 25 secondes à faire. Exact, mais les connaissants, elles ne seront pas satisfaites. Elles veulent bien finir, avoir de bonnes séquences. C'est Elodie Lajoie qui s'en veut un petit peu là, après avoir réussi un 3 points l'attaque précédente. Rowan Ablet qui vient. Et Alexia Marois, fidèle à son habitude de voler des ballons. Et là, on est un petit peu plus patiente. On cherche Elodie Lajoie. Alexia avec 5 secondes à faire, 3 secondes. Florence Fortin qui attaque. Et c'est ce qui terminera ce match. 63 Laval, 45 pour Concordia. Deuxième demi entièrement rouge et or. Après une première demi plus difficile, grosse victoire de l'Université Laval. On va être content d'avoir rebondi dans ce match alors qu'on perdait 29-27 à la demi. Donc c'est une performance satisfaisante, surtout en deuxième demi pour les Pays du Rougeur, la troupe de Guillaume Giroux. Très, très satisfaisante. J'ai envie de te dire même, Alex, puisqu'on veut être testé durant la saison. Lorsqu'on a une équipe parfaite, il faut des challenges, il faut des moments où est-ce qu'on se remet en doute puis qu'on voit comment on est capable de se relever. Donc pour la troupe de Guillaume Giroux, c'est un autre match référence, un autre match où on peut se dire « Hey, on a connu un autre scénario, on a été testé d'une manière différente que par le passé. » Donc tu l'as mentionné, un troisième quart exceptionnel. On a gardé le pied sur la pédale pour le quatrième. Et puis, au final, c'est une belle victoire pour les filles de Guillaume Giroux. 8 victoires, 0 défaites. Léa-Sophie Verret qui se réveille. Sabrine qui qualifie, qui est tout simplement exceptionnelle. Elle qui aurait eu une pause pour les 5 dernières minutes. Guillaume Giroux en avait vu assez. Donc, tout simplement exceptionnel en deuxième partie de match. Ah oui, tu parles de Sabrine, là. Même son, elle est restée sur le banc pour faire entrer des nouvelles joueuses dans la fin de match. Sabrine, qui a été la meilleure joueuse, selon moi, du côté du Rougeard, a été physique, défensivement, offensivement, a brillé au moins, pas loin du double-double à la fin de ce match-là. Je connais pas les stats, je vais aller regarder les stats, mais on est à 10 points. 8 passes décisives, 7 rebonds de la part de Sabrine Kelipi. Et il y a des statistiques qui apparaîtront jamais, mais le côté physique, les rebonds, les séquences défensives où elle a empêché les joueuses plus grandes, plus physiques qu'elle, d'avoir le ballon, a dévié des passes, etc. Ça a été vraiment un match complet. Et dans une première demi où le Rougeard cherchait un petit peu qui allait les sortir, qui allait prendre les rênes, qui allait les mener vers la victoire, c'est Sabrine qui gardait la troupe dans ce match. Et puis en deuxième demi, on a vu d'autres joueuses prendre leur aise, moins d'hésitation. Léa-Sophie qui a mené le bal offensivement comme elle est capable de le faire. Mais on en a vu d'autres aussi. Florence qui est allée d'un 3 points. Tara Imbert qui est allée un gros N1 là, sur une séquence. Donc ça a relancé tout le monde un petit peu. Mais effectivement, on progresse. On veut des matchs comme ça, des matchs difficiles où on finit avec un W. On finit meilleur qu'on ne l'était. Donc ça promet pour le deuxième match dans une quinzaine de minutes. Alors que ce sera à l'équipe masculine, l'équipe de Nathan Grant, de faire la même chose, de trouver des solutions et de refaire un doublé comme on a vu il y a 2 semaines ici au PEPS. Merci d'avoir été avec nous, Kenan, Alexandre, et on se dit à dans quelques minutes pour le match masculin Laval-Concordia. À tout de suite.